Salut à tous, c'est Roselyne. On est aujourd'hui le jeudi 3 août et on se retrouve pour une petite vidéo. J'ai gagné un petit concours sur Instagram, hein. C'était le concours de la maison du canevas. Donc Isabelle fait un concours donc tous les mois en fait donc pour faire gagner des petits lots, enfin des très beaux lots, je dirais même. Et donc là, elle faisait le concours de l'été et j'ai gagné une petite toile, une superbe toile. Franchement, je suis ravie. Donc là, j'ai simplement ouvert le paquet. Je ne le tourne pas dans l'autre sens parce qu'il y a, y a mon adresse. J'ai oublié de mettre du feutre dessus. Donc, je sors tout ce qu'il y a dedans. Hop! Donc voilà. Ah ouais, trop bien. Là, elle m'a fait un petit mot. Elle m'a même offert un petit stylo. Donc, je vous lis le petit mot. Donc, bonjour Roselyne, félicitations pour ce gain au concours que nous avons organisé sur Instagram à l'occasion des vacances d'été. Très bonne réalisation de ce kit Riolis Isabelle. Donc voilà, donc, je vous montre, donc c'est la photo hein, du kit. Félicitations pour votre gain en concours Riolis et la maison du canevas. Et donc le petit mot d'Isabelle. Je tiens énormément à remercier Isabelle pour vraiment sa gentillesse. On a discuté, on a échangé quelques petits mots sur Instagram. Et vraiment, elle est au top. Ça, c'est ma câline. Coucou Fifi, mets-toi là-bas. Ouais, si tu t'assieds là, c'est nickel. Donc ouais, on a échangé quelques mots et vraiment, c'est une dame vraiment très, très, très sympathique. Donc voilà, on va découvrir le kit. Je vous mets juste en pause. J'allume la lumière parce que là, je trouve qu'il fait de plus en plus nuit. Donc, c'est ma câline qui fait des léchouilles. Bah oui, ma chérie. Hein? Bah oui, hein. Bah oui, ma puce. Allez, je mets en pause, j'allume la lumière, je vous reprends. Voilà. Donc là, ça ira mieux donc, avec la lumière. Donc, elle m'a offert un petit stylo. Ah bah également à l'effigie. Donc la maison du canevas et de la broderie avec le petit site internet donc www.canva.com. Je vous le montre, super, vraiment un beau stylo. Donc vraiment merci Isabelle pour le petit cadeau. Et là j'ai vu qu'il y avait également le catalogue qu'elle m'a joint avec. Alors ça c'est top. Waouh, waouh, waouh. Alors là, il y a plein de petites choses pour craquer. Hein. Donc là, le petit catalogue donc, de la maison du canevas. Je vous montre juste en très, 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 très vite fait. Voilà, je ne vous montrerai pas plus de détails. Et donc voilà, je range de nouveau ça. Je ne sais pas si j'ai le droit de le montrer ou pas. Je préfère pas montrer plus de détails. C'est juste du vite fait. Donc là, on retrouve donc le petit kit donc, de Riolis. Donc c'est un... Oh, je perds la broderie. Donc c'est une broderie. Donc... il y aura du cross-stitch, du half cross-stitch, du back-stitch et du combinated colors. Donc, c'est simplement les points normaux, donc les croix, du demi-point de croix, du back-stitch, donc du point arrière. Et on aura également des couleurs donc combinées. Donc, j'imagine que c'est du 14CT. Donc la broderie porte le nom de At the Beach. Donc à la plage, il fait 20 par 20 cm. Et donc apparemment c'est un modèle qui date de 2008.
Donc je vous montre l'image. Et donc à l'arrière, on voit plusieurs modèles et un bout des fils. De toute façon, je vais vous l'ouvrir. Je vais juste regarder s'il y a une façon spéciale de l'ouvrir avant de couper. Parce que moi, j'ai l'habitude de couper. Et tout à coup, je me rends compte qu'il y avait un truc collé, quoi. Non, j'ai pas l'impression. Si. C'est bien que je vérifie à deux fois. Encore que. Pourtant, là, il y a un truc. Alors, attendez, je m'en pose. Donc, voilà, je vous reprends. Donc, j'ai coupé parce qu'il ne m'a pas semblé que ça marche. Là, au niveau de là où c'est collé, en fait. Donc, j'ai pas réussi à l'ouvrir. Donc, j'ai coupé. Donc, normalement, c'est du point compté, hein. Je vais le sortir délicatement de l'emballage. Donc, la pochette qu'on a vue tout à l'heure. Non, Kaline, tu touches pas. Non, Fifi. Donc là, je vais juste enlever les plaquettes du fil. On va enlever la toile et on va voir le patron. On va découvrir ce magnifique patron ensemble. Alors là, je ne vous dis pas. Moi, j'ai jamais vu un patron comme ça. C'est sublime. Sublime. Franchement, j'ai encore une partie qui s'ouvre. Waouh! Alors, Kaline, surtout, tu ne te mets pas dessus parce que celui-là, là, il faut surtout que je me le garde intact. Oh là là! Alors, waouh, quoi. Oh, le patron. Oh punaise, comme il est bien fait, hyper net les symboles, mais c'est... Oh, oh là là, regardez-moi ça, regardez-moi ce patron, waouh, wow. Regardez là, vous avez la table des matières, je vous détaille après, hein, parce que là je ne vois pas de la manière dont je vous montre, je vous le montre d'abord et ensuite je regarde et je vous dis ce que je vois. Là, franchement, c'est une merveille. Oh, on retrouve en bas toutes les instructions et tout en différentes langues. Alors, je vais vous montrer de près. Vous me regardez cette impression. Attendez, je le replie en deux pour vous montrer. Regardez-moi l'impression de ce patron. Waouh, wow. C'est une merveille. C'est vraiment une merveille. Alors ça, c'est vraiment l'idéal pour faire du point compté. C'est la toile vraiment idéale pour commencer le point compté. Donc, alors ça, c'est top. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait, la table des matières. Donc, on va la prendre comme ça. Non, je vais la plier. Je vais la plier. Je vais me rapprocher du téléphone. Donc, on a la case avec tous les symboles qu'on retrouve donc sur notre patron. Ensuite, la deuxième case, donc la case B, on a à chaque fois donc le détail. Donc, si c'est des croix entières, si c'est des demi-croix, si c'est du backstitch, on a vraiment tous les détails. Donc ça, c'est génial. Le C, qu'est-ce que c'est le C? Alors, attendez, je regarde. Français, donc le A, signe sur le diagramme. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Le B, c'est la technique de la broderie, c'est ce que je vous ai dit. Ensuite, le C, c'est les numéros des fils sur la filière. Donc la filière, c'est ça, c'est les cartonnettes. Et ensuite, le D, c'est les numéros de hilo. Alors, ça veut dire quoi, ça? Les numéros de hilo. Oh, alors, moi, je ne suis carrément pas douée. Je ne sais pas ce que c'est, des hilos. Quantité. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Oh, je vous dis des conneries. Je suis en train de regarder l'espagnol.
Quantité de fil, pardon, je suis une cruche. Donc c'est marqué là le français. Attendez, je vous le montre. Moi je regarde en bas l'espagnol. Donc là, c'est là. Donc A, donc les signes sur le diagramme. B, technique de la broderie, c'est numéro de fil sur la filière et D, quantité de fil. Donc ça c'est cool. Donc avec donc un fil avec deux fils. Donc c'est différentes manières en fait de faire le point. Donc ça c'est génial. Ensuite là le point normal, donc il est avec deux fils. Ça c'est le backstitch. Il est avec un fil. Le demi-point, il se travaille en deux fils. Donc franchement, j'adore. C'est vraiment génial. Et on a à chaque fois les détails aussi. Je vous montre juste en dessous. Hein. Donc les détails, comment il faut faire le fil, comment il faut l'arrêter, comment on fait nos croix, comment on fait les demi-croix. Et T5, c'est quoi T5? Ça veut dire quoi T5? Le T5, je suis encore une fois sur l'espagnol. Séparer les brins du fil mouliné qui est composé de 6. Ah, c'est comment il faut séparer les fils. Hein. Ah ouais, c'est les 6 brins et donc du coup, on n'en prend que 2. Ouais, donc ça, c'est bon. En tout cas, c'est génial, hein. Franchement. Ça, c'est le bonheur. Hein. Alors moi qui n'ai jamais fait de point compté, qui a uniquement fait du point estampillé, c'est vraiment l'idéal. Hein. Et donc là, on a donc notre... Oh purée, comme c'est petit. Ça, c'est notre toile. Donc on a une aiguille ici. C'est du 14. Hein, parce que c'est tout petit. Si vous voyez les trous, c'est tout petit. Donc, ouais, ça a vraiment l'air d'être du 14. Hein. Et de toute façon, si ça se brode en deux brins, pardon, c'est de toute façon du 14. Ensuite, je vais vous montrer les fils. Donc, la plaquette numéro 1. Je vous les montre comme ça. Hein. Je ne vous détaille pas les couleurs. Je vous montre les plaquettes. Et après... Je vous dis combien il y a de couleurs. Bah, de toute façon, ça se voit. On a 21 couleurs en tout. Hein. On a des superbes couleurs. Voilà. Et la dernière plaquette, elle est là. Donc, 21 couleurs. Donc, je voulais juste vérifier quelque chose encore. Il n'y a pas le détail, hein, combien de... Ouais, il faut que je les compte. Alors attendez. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. J'aurais dit 22, point normal. Mais ça, c'est bizarre parce que j'ai que 21 couleurs. Bon, j'ai dû me planter à quelque part. Bref, c'est pas grave. De toute façon, il y a marqué. Je vais arrêter de donner des détails. Voilà, parce que je m'embourbe. Donc, c'est pas la peine. Donc, voilà, je vous remontre encore une fois ce magnifique patron. Donc de la jeune fille donc sur la plage, il est superbe, vraiment superbe, avec tous les détails. Franchement, c'est une merveille, hein. C'est vraiment un cadeau, mais absolument superbe. Donc de la maison du canevas, c'est vraiment formidable. Et là, ils ont donc trois autres modèles, hein. Donc je pense de cette collection là, hein, qui
Ils sont aussi vraiment super jolis. Donc voilà. Moi, je suis vraiment super contente donc d'avoir gagné ce gain. Et donc, comme dit, je remercie encore énormément Isabelle, donc de la Maison du Canva, pour ce lot absolument formidable. Je vais le faire avec plaisir. Je vais juste encore me faire un petit peu la main sur le point estampé pour vraiment avoir l'habitude donc de broder. Et puis ensuite, j'essayerai quand je m'en sentirai vraiment capable. Je ferai donc cette broderie en point compté avec un énorme plaisir parce que je trouve cette toile absolument magnifique. J'adore le modèle et je suis vraiment ravie. Donc merci à Riolis et la Maison du Canva. Merci énormément. Donc pour les cadeaux aussi, pour le stylo, pour le catalogue. Donc merci énormément à toute l'équipe de la Maison du Canva. Et puis on se quitte là-dessus. Je vous laisse le modèle bien en vue. Donc je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de... Non, Caline, ça c'est à moi. N'oubliez pas de liker, de me laisser un petit commentaire. De vous abonner si la vidéo vous a plu et que vous ne l'êtes pas encore. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao ciao les amis. Bisous.